C'est le moment de vous présenter Jim et Nicolas. Et si j'y arrivais pas? Et si je tombais ou j'oubliais la chorégraphie? Jim, tu vas y arriver. Il faut juste que tu aies confiance en toi. Et confiance en moi. Ça va aller. Ouais, d'accord. Allons-y. Una historia que comienza ahora es el primer paso. Desde aquí todo puede pasar. J'espère que ça va bien se passer. Mais oui. Si on était à leur place, on leur en mettrait plein la vue au jury. Oui, mais on n'est plus à leur place, on n'est plus dans la compétition. Alors s'il te plaît, parlons d'autre chose parce que ça me rend malade. Ben, moi non. Je me moque de la compétition maintenant. Tu veux savoir la seule chose qui compte pour moi? Ou je devrais dire, tu veux savoir qui... Ah, c'est mon ami. Oh, pardon. Je suis trop contente pour Jim. Ouais, il n'y a pas de problème. Ils ont une excellente technique, ils ont fait d'énormes progrès. Vous avez raison, Nico danse super bien. Et elle également, ils forment un joli couple tous les deux. Ouais, dommage que ça ne soit que sur la piste. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien, c'était qu'une remarque. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas ça. Nico est amoureux de Jim. Oui, oui, bon, bon, Tamara, s'il vous plaît, ne dites rien. À qui veux-tu que je le dise? Bah, je sais pas, ça va vite. Fais-moi confiance. Ah, j'en reviens pas, je les vois toujours ensemble et je me suis jamais aperçue de rien. Ouais, ça arrive parfois, on tombe amoureux d'une personne à laquelle on n'aurait pas pensé. Pourquoi tu dis ça? Ça t'est arrivé? Ouais. Et tu le lui as dit? Non, pas avec des mots précis, mais j'ai essayé de lui faire comprendre. Tu veux un conseil? Dis-le lui carrément en face, peut-être qu'elle s'est rendue compte de rien. Manifestement, c'est le cas. Ah! Somos uno.